après sur les 13 années d'archives du site de la commune sous mandat de M. Loeb. Peut-être qu'on peut demander à la population s'ils préfèrent l'ancien site ou le nouveau. Donc là, on a fait un petit peu un dépoussiérage. Je pense que les habitants sont très contents des services qu'ils y trouvent. L'ancien existe toujours. La question, elle, c'est mais ce n'est plus le site officiel de la commune. C'est voilà. Un effacement total de 10 ans. C'est que les gens qui nous m'aident. C'est surtout que les personnes aimeraient bien retrouver les archives, des photos de leurs enfants, les documents qui sont de l'école, les fêtes. Voilà. Je pense qu'il y a l'historique qui compte et ils sont désireux d'avoir ces informations-là.